super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. Si tu aimes notre chaîne, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Abonne-toi. Coucou Corentin. Coucou les loulous. Aujourd'hui, ben dis-moi, on se retrouve pour quoi comme vidéo? Une vidéo carte Pokémon. Mais quoi comme carte Pokémon? Pas n'importe quoi. Qu'est-ce que tu as dans les mains là? Le coffret Loup-Garrox, c'était le dernier sorti. Oui, le Loup-Garrox GX. Donc un nouveau coffret Pokémon. Donc c'est le tout dernier sorti, c'est celui qui était sorti à Pâques. Et ils étaient en rupture de stock et là on a réussi à en trouver un. Et c'est le dernier qu'il y avait au magasin. Alors Coranda, est-ce que tu nous présentes un peu ce coffret? Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a Loup-Garrox en carte jumbo et Loup-Garrox en carte normale. D'accord, après, il y a Loup-Garrox GX, hein, bien sûr, oui. C'est carte promo. Ensuite? Il y a deux boosters de chaque côté, alors après il y en a quatre. Ok, et il y a quoi comme booster hors dedans? Il y a un booster offensive vapeur, il y en a qu'un, évolution qu'un, et après il y a deux soleil et lune. Ok, super. Alors fais-moi voir de plus près ce super coffret. Alors les amis, à chaque fois qu'il y aura un nouveau coffret, ben, Corentin l'ouvrira en vidéo. Et bientôt, il va y en avoir un nouveau aussi qui va sortir. Donc voilà à quoi il ressemble. Alors voilà la carte. Donc Loup-Garrox GX qui a l'air magnifique. Alors bah tiens, bah, si tu veux l'ouvrir, bah, c'est sous blister bien sûr. Normalement, je vais le déballer, ça. Tu veux avec les dents? Oh, pas avec les dents. Est-ce que tu veux que je t'aide? Oui. Non, 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 pas les dents. Pas. Mais ça se mange pas, les coffrets Pokémon, Lulu. Ce n'est pas bon, le plastique. Attends, je vais t'aider. Oh. Alors, c'est pas très bien d'ouvrir les papiers avec les dents parce qu'on peut se les abîmer. Bon, en l'occurrence, Corentin, elles sont en train de tomber. Bah, comme ça, tombe en tête plus vite. Attention. Suspense, suspense. Oh. Alors, est-ce que tu veux garder cette boîte du coffret comme l'autre? Oui, okay. Comme l'autre pour au moins mettre une photo. Ok, bah, Corentin, il va faire des cadres photos avec ses coffrets. Ça peut être sympa. Donc, ça fera des cadres photos en 3D plutôt que les jeter. Quand tu arrives, je t'aide un peu. Hop là. Et voilà. Alors j'espère que tu vas être chanceux, loulou, parce que bah, c'est moi qui suis allée l'acheter sans Corentin parce qu'il était à l'école. Il n'y en avait qu'un seul, donc j'avais pas trop le choix, donc j'espère que celui-ci est le bon. Mais bon, c'est pas grave, hein, même si c'est pas le bon, tu complèteras quand même ta collection, je pense. Oui. Ça y est. Waouh, ça y est. Alors je vais peut-être t'enlever la carte promo et la jumbo. Hein? La jumbo. Regarde, il faut déjà l'ouvrir là. Regarde, ouvre-le là. Hop, je vais t'aider parce que Corentin n'a pas trop l'habitude. Il n'a plus l'habitude. Eh, d'accord. Regardez-vous ça. Alors la carte promo est là. Ah, oh, mais c'est facile. Donc je vais essayer de l'enlever. Ouais, la jumbo est facile. Bah, tiens, tu peux la montrer au copain. Et moi, allez, je vais essayer. C'est un père. D'enlever. Voilà, la carte promo. Bah, alors là, j'y suis arrivée, mais vraiment nickel. Elle n'est pas abîmée du tout. Donc voilà, les amis. Alors, elle est vraiment magnifique. Voici la mienne. Voilà, donc la Loup-Garrox GT. Et à côté, donc c'est la SM14. Voilà. Et ensuite, alors, fais voir la jumbo. Bah, c'est exactement la même, en 5 fois plus grande. Bien sûr, qui est juste magnifique. Bon, maintenant, je vais m'ouvrir les boutons. Elle est trop, trop belle. Trop, trop belle. Vous avez vu qu'elle était hier. Et ensuite, on a un... Alors voici le petit code online, voilà, c'est pour vous, c'est celui du coffret. Alors on y va. Alors fais voir un peu tes boosters, à quoi ils ressemblent. J'en ai déjà déballé comme ça. Alors nous avons les deux boosters soleil et lune, voilà, ensuite évolution et un offensif vapeur. Alors est-ce qu'on passe à l'ouverture des boosters? Oui. Oui. Allez, bon, on va s'installer autrement pour vous montrer un peu ces jolies cartes Pokémon. Alors Loulou, tu veux commencer par quoi? Offensive Vapeur. Offensive Vapeur, donc on met les autres de côté. Donc là, c'est le 1-2-3-1-2 Loulou pour cette série-là, si tu te souviens bien. Oui, c'est Soleil et Lune ou c'est un 2-3-4-1-2?
Est-ce que tu peux l'ouvrir? Oui, moi j'ai envie de l'ouvrir tout de suite. Ah, bah, je sais que je vais pas envie d'abîmer. Je vais pas abîmer. Ah bah, c'est spoilé. Hop, hop. Et voilà. Là, il y a le code online. Ouais, super. Et ensuite, alors regarde. Ouais, un, ouais. 1, 2, 3, 2. 1, 2. Loupé. Quoi? 1, 2, comme ça. Voilà. Ah. Et voilà. Et mets-les bien comme ça. Alors, je sais pas si ça... Pardon, je sais pas si Baril. Ça fonctionne ou pas. Alors, il y a Baril. Bon. Ouais, Maril. Farfuré. Farfuré, oui, c'est ça. Elioso. Nidorino. Non, c'est un dire, non, un Nidorin. Ah. Bon, ben bon. C'est pas grave, hein, tu commences, hein, Pokémon, t'es encore petit. Nidor. Hein. Fossile armure Nido. Clier. Oh, une carte dresseur, ouais. Trousselin. On trouve cela. Un lien spirituel garde-voix en carte de sœur. Alors oh, là, je, oh, l'ai, je l'ai pas en rare. Tu l'as pas? C'est... Oui, c'est une rare, ouais. C'est une holographique, alors c'est Seracroll. Voilà. Ah. Et ensuite, ben, nous avons en commune ben, Gamblast. Et c'est tout? Ouais. Oui, ah, je crois que tu t'es un peu trompé, mais bon, c'est pas grave. Donc on n'a pas grand-chose, hein, à part une reverse holographique. Voilà. Alors, quel booster tu veux ouvrir pour la deuxième ouverture? XY Evolution. Est-ce que tu veux que je t'aide à l'ouvrir aussi, le XY Evolution? Ouais. Allez, bah, je sens que j'aurai une pas rare. Donc là, c'est pareil. C'est combien qu'on fait les cartes? 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. C'est juste pour Soleil et Lune. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà, bah bravo. Allez, tiens. Là, il y a le code online. C'est plutôt dans un sens. Oui, plutôt, ouais. Alors, je vous le remonte, un, les deux, amis. 3. 1, 2. Ah, oui. Oui, bon, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Oui. C'est pas grave. Alors, on y va. Avec. Canino. Ah, attends. Alors, je crois qu'il a fait une erreur, donc. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, les amis. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, on y va. Avec. Canino. Caninos. Ratata. Ratata. Electek. Electek. Alors là, c'est. Magikarp. Oui. Soporifique. Nidorino. Voilà, bon, cette fois c'est Nidorino. Une carte de dresseur. Oui. Lien spirituel Flagados. Une carte dresseur Pokédex. Oh! Dracaufeu! Dracaufeu X! Oh, méga! Non, méga! Méga Dracaufeu X! Waouh! Bravo! Ah, ben tu t'es un peu trompé. Et un Aspico en reverse. Waouh! Alors, je vous montre mon. Non, c'est une commune. Voilà, donc celle-ci. Et regardez celle-là. Comme elle est belle! Toi, t'avais déjà un Dracaufeu X, mais de la promo. Et là, c'est celle-là. Alors, c'est la combien? C'est la 13 sur 108. Voilà. Elle est vraiment trop, trop belle. Hein. T'as de la chance. Hein. Encore une fois, Corentin a de la chance. Bravo. Bravo, Corentin. Alors maintenant, laquelle tu veux ouvrir? Lequel booster, plutôt? Bah, il y a deux mêmes, alors. Il y a deux mêmes. Bon, bah, on y va, alors. Bon, regardez, les amis, comme elle est trop belle. Trop, trop belle. Et on entend encore et toujours le chien ronfler. Comme d'habitude. Et voilà, on va ouvrir un Soleil et Lune qui est la dernière série du bloc. Donc on y va. Hop. J'espère qu'il y a vraiment une rare. Non, je sais pas. Alors cette fois, regarde, je vais te le faire. Comme ça, je vais te remontrer, Loulou, comment on fait. Donc là, on a le code. C'est bon, je sais, c'est bon, je sais. Tu te souviens? Je sais tout. 1, 2, 3, 4. 1, 2, voilà, bravo, ça y est, ouais, c'est ça. Allez, on y va, on referme bien pour pas spoiler, et voilà. Allez, c'est parti. Bacabou. Bacabou. Un Spododo. Mimantis. Mimantis, ouais. Aracotis.
Arachdo. Arachdo. Caninos. Un Caninos, ouais. Une carte énergie, oui, forcément, c'est la 11e carte du booster. Ensuite, nous avons un sbire de la Team School. Voilà. Hop. Et ensuite, qu'est-ce que tu as? Un Crisacier. Crisacier. Non, c'est un des premiers Pokémon dans la série. Grand boule. Grand boule, pardon. Et ensuite, nous avons... Rapace des pics. En holographique, voilà. Oui, et c'est un prépassable, voilà. Donc voilà, ça c'est une reverse, voilà. Alors, on n'a pas eu grand-chose, là. On va ouvrir le dernier booster. Ça, Soleil et Lune. Alors c'est parti avec le dernier Soleil et Lune. Alors j'espère que tu vas avoir de la chance. Bon, déjà tu as eu pas mal de chance avec le Dracaufeu, méga Dracaufeu X, que tu n'avais pas d'ailleurs. Oui. Alors, tu commences à avoir pas mal de Dracaufeu. Hein. Oui. Alors. Pas mal. Ah mais j'arrive pas à l'ouvrir les. Ah ça y est. Hop. Hop. Et là. C'est le drame. On a déchiré toutes les cartes, non, c'est pas vrai. Allez, vas-y. Alors là, il y a le code online. Ouais. Ah, bah attends, je montre au petit copain. Voilà. Bon, il est à l'envers. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Et voilà, c'est parti. Loupio. Mmh. Un petit Loupio. Spododo. Spododo. Hermure. Hermure. Un chenipan. Bacabou. Ah, on l'a déjà eu tout à l'heure. Ensuite. Une énergie. Ouais, une énergie, c'est énergie quoi. C'est énergie. Oh, je sais pas. Alors, franchement, je connais pas trop les énergies, les petits copains. Dites-nous dans les commentaires. Crise d'acier. Ouais, qu'on a eu tout à l'heure d'ailleurs. Attrape Pokémon. Mm-hmm. En fait, ça c'est pour les attraper de loin. Comme ça. Un grand bulle. Bulle. Qu'on a eu tout à l'heure. Un Picasso. Un holographique et un bazookan. Ouais, bon, bah super. Un bazookan. Bon, bah, rien de vraiment extraordinaire. Donc, voilà les cartes. Voilà, donc celle-ci. On a laquelle? On a celle-là. Voilà. Bon, déjà, j'ai eu pas mal. Et bien sûr, le super méga Dracaufeu X. Pas Dracaufeu. Non, non, c'est loup-garou. C'est la carte. C'est la carte. C'est la carte promo. Voilà. Donc, celle-là, bon, avec la carte. Promo. Et avec la carte Jumbo. Et la carte Jumbo. Tu ne retrouves pas dans l'écran. Alors ça y est mon loulou, t'as terminé? Oui. Ouais, alors t'as eu quand même de la chance, hein, dis-moi, parce que t'as quand même eu une méga Dracaufeu X. Ça va être trop trop belle. Alors ça va compléter ta collection. En plus, bah, des Jumbo, toi t'aimes bien les Jumbo. D'ailleurs, il va falloir qu'on trouve des pochettes. Alors dites-nous les petits copains, si vous connaissez des sites ou des magasins ou autres, où il y aurait des pochettes pour les Jumbo, je ne sais pas. Parce que c'est un peu difficile de les ranger. Et puis bah tu as eu combien? Tu as eu 4 reverse, c'est ça? 4 reverse. Ouais. Et celle-là c'est Colbin. Ouais. Et est-ce que tu as eu beaucoup de doubles alors sur les normales? Non. Non. Tu vas pouvoir compléter quand même ta collection? Oui, avec tous les Pokémon, oui. Ouais. Ouais, bah c'est bien si tu peux compléter. C'est toujours mieux. Oui, oui, t'as bien. Même dès que j'ai des doubles, après je les échange à l'école. Oui, tu les échanges à l'école, oui, les doubles. Alors les petits copains, c'est la fin de cette vidéo. Alors n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous aimez les Pokémon. Si vous voulez, pourquoi pas, échanger avec nous aussi. On est preneurs parce qu'on commence à avoir beaucoup de cartes à échanger. Et puis, ben, si c'est pas déjà fait, qu'est-ce qu'on fait si c'est pas déjà fait? Abonnez-vous. Et n'hésitez pas à mettre, si vous avez aimé la vidéo, un petit... Oui, dire le haut. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous fait des gros bisous. Ciao, ciao les amis. Bisous, bisous. Bois.